monde, c'est Mila. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de notre aventure survie en compagnie de Luffy. Donc là, il y a marqué Floody, mais vous inquiétez pas, c'est Luffy. Il a changé de skin, mais c'est Luffy, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui au programme, on va essayer d'aller dans l'Under pour battre l'Under Dragon. C'est parti. Et salut tout le monde, on se retrouve avec le petit Minoc pour ce deuxième épisode de survie sur Minecraft. Donc on a, comme la dernière fois, on a là 1.14. Oui, donc voilà. Là on est à 1.14. Regardez ce que j'ai farmé hors vidéo. J'ai tué des Underman et des Blaze pour avoir des yeux de l'Under. Comme ça, on va directement pouvoir trouver l'Under Dragon. C'est parti. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour trouver l'Under Dragon. Il va falloir faire un clic comme ça dans le vide. Et l'œil, il part dans cette direction. Donc là, on va trouver l'Under Dragon dans cette direction. On va continuer. C'est parti. Et en même temps que je vais lui montrer comment on va faire pour tuer l'Under Dragon, je vais vous montrer à vous aussi, pour si jamais vous savez pas. Et on espère aussi pouvoir avoir les élytres. Oui, après on va essayer évidemment d'avoir les élytres pour voler. Je vais vous montrer tout ça, comment on va faire. Désolé les gens, pour le début on voyait l'icône de Skype. Donc vous inquiétez pas, à partir de maintenant on le verra plus. Je suppose que ça devait gêner certains. Mais là, je l'ai supprimé, donc on verra plus l'icône de Skype. Vous inquiétez pas. Il n'y a plus besoin de PL pour faire les bateaux. Oh my god! Ok les mecs, donc là on vient d'arriver sur les lieux du Minecraft. Donc là c'est juste sous nos pieds, il y aura le Stronghold. Donc là il y aura là où on va trouver l'Under Dragon. Donc je continue à miner. Ok, donc là on vient de le voir, mais là si on descend c'est sûr qu'on va mourir. Donc je vais descendre par un autre chemin. Comme ça, je vais poser un seau d'eau et tu vas te mettre dans l'eau et tu vas descendre, ok? Merde! Mais va dans l'eau, cet endroit, on va essayer de trouver où est l'Under Dragon. C'est parti! Oh, c'est là! Ok, mec, t'as trouvé l'endroit, bien joué! Fais gaffe, faut péter le spawner! Détruis, tape les Silverfish! Ok, je viens de péter le spawner! Ok, donc là, on vient d'arriver dans la salle pour aller dans l'Under. Donc on va poser toutes nos perles, on va les poser. Bon, Luffy vient de se brûler, mais c'est pas grave. Il va sûrement. Bon, je revis, les gars! Fais rien du tout! Et voilà! Le portail est là, on va pouvoir y aller. Alors, avant d'y aller, prépare-toi bien. Ok, donc là, il y a l'Under Dragon. Va falloir... Alors, pour l'instant, ça sert à rien de le tuer, parce que s'il gagne de la vie, les tourelles vont le régénérer, donc ça sert à rien. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est de monter en hauteur et de casser les tourelles qui vont le soigner. Donc, faut tous les détruire à l'arc, comme ceci. Voilà, j'en ai en détruire un. Ah, j'ai presque réussi à détruire un troisième. Et voilà, je viens de péter... Un truc en plus. Il va falloir prendre toutes les détruire. J'en ai déjà détruit quelques-uns. Oh, regarde où il m'a amené là. Regarde où il m'a amené. Oh, je viens de poser de l'eau à la dernière seconde. Le dragon il m'avait fait voler. Il m'avait fait amener dans tous les sens. Maintenant j'ai détruit toutes les tours. On va pouvoir tirer sur le dragon et lui enlever plein de dégâts. Je lui ai mis une flèche. Oh, je l'ai bientôt fini. On y est bientôt. Il reste plus de vie. Ok, on l'a eu. On vient de tuer l'Under Dragon, c'est vraiment super cool. Regardez là, toute l'expérience qu'on peut gagner. Il me donne vraiment beaucoup d'expérience. Et là, il y a un portail qui est apparu. Ouais, là, voilà. Et on va pouvoir y aller et on pourra trouver des élytres pour pouvoir planer et voler. Ok, voilà, donc là, je viens de faire un escalier qui mène directement là. Donc tiens, prends cette... Mais t'es sérieux? Ouais. Prends cette perle. Vas-y, continue à monter. Ouais. Avec la perle, regarde, tu as visé pile. Tu vois le truc un peu vide, bizarre, là, au centre. Ok? Tu vois le truc? Et bah, tu vas lancer, faire clic droit avec ton enderpearl dedans. Mets ton enderpearl dans ta main. Et tu vas faire clic droit en visant le truc. Et ouais. Voilà, t'es téléporté. Je vais me téléporter aussi. Et voilà, on est dans un nouveau monde qui ressemble vraiment à l'End. Sauf que là, regarde ce qu'il y a. On va continuer pour chercher les élytras et pouvoir voler. Et je vous retrouve juste après. Ok les mecs, donc regardez, la forteresse est là. Là, on va dans ce bateau, on va pouvoir avoir les élytras. Mais là, on va peut-être avoir du stuff. Donc, on va commencer par monter dans la forteresse. Faut faire attention aux shulkers, c'est ça. Attention mec, il y a les shulkers, ils vont nous attaquer. Mec, ils m'attaquent, je vole. Tue-les, eux.
Eux, ils font... Mec, regarde, ils me font voler. Fais gaffe à eux. Faut vraiment la masse de dégâts. C'est bon. Ils me font voler. Mais non, mec, je vais m'envoler. On va continuer à monter, on va voir si on trouve pas des coffres. Va falloir faire un petit saut. Comme ça. Comme ça, va falloir sauter. Voilà les gars, on est tous les deux en haut. Ouais, on est en haut. Va falloir faire un pont pour aller directement jusqu'à ce bateau. Donc, je prends des blocs là pour l'instant. Comme ça, on va directement aller dans le bateau. Ok, je vais t'aider. Mec, ils me font voler. Bon, je vais en profiter directement pour aller sur le bateau. Ils me font plein de dégâts par contre. Hein. Je vais essayer de profiter de leur attaque pour aller directement sur le bateau. Je pense que je vais mourir. Ils m'envoient tellement haut que les dégâts chutes vont me tuer. C'est sûr. Ouah, c'est cheaté. Mec, c'est bon. Finalement, j'ai réussi à aller sur le mât, donc je suis pas mort. Oh, regardez ce qu'il y a au bout. Au bout du bateau, il y a une tête de dragon. Je vais essayer de la voir. J'ai la tête de dragon. Regardez. Regardez ma super tête. Je vais le montrer à Luffy, je vais voir sa réaction. Bonjour. Hé, toi. Arrête, ça fait trop de dégâts, mec. Ouais. Bon, on va descendre. Directement. S'il te plaît, place la tête de... Il y a le shulker. Ok, donc tu prends la tête et moi je prends les élytres, tiens. Et moi je prends les élytres. Et voilà. Vite, faut le tuer, lui, parce que mec, il va me faire trop de dégâts, sinon. Je mets les élytres. Regardez tout ce qu'il y a dedans, il y a plein de diamants, il y a des bottes en diamant. Regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Ok, donc je vais directement essayer les élytres devant vous. Attends, tu veux être à côté de moi pour qu'on regarde ça ensemble. Ok les gens, donc là, alors qu'est-ce que tu vas faire? Toi tu vas sauter et après tu vas re-appuyer sur espace quand t'es en l'air, ok? Ok, donc là alors, c'est notre deuxième forteresse. Ok, donc là, ouais, on vient de faire une deuxième forteresse. Donc regardez, on a deux têtes, on a chacun notre tête de dragon et chacun nos élytres. Donc je vais sauter. Et voilà, regardez, je peux voler, je peux planer, donc je peux pas voler non plus très loin, mais je peux quand même... Et les Enderman, ils veulent me tuer. Regardez les gens, ce que je viens de faire. Une shulker box. Donc, il sait pas à quoi ça sert. Vous, je pense, vous savez. Ça sert à stocker des items. Regarde-moi ça. Tu vas trouver ça trop stylé, je pense. Clique sur ça. Pour ouvrir. Regarde. Imagine, moi, je mets mon diamant et mon or dedans, ok? Je casse la shulker box. Ok? Tu te rappelles, j'avais mis mon diamant et mon or. Là, je l'ai pas sur moi. Je vais poser ici la shulker box. Ouvre et regarde ce qu'il y a dedans. Mon or et mon diamant. En gros, c'est une sorte de sac à dos que tu peux garder sur toi. C'est trop bien. Ok, les gens, donc là, c'est vraiment super. On vient de rentrer à la maison. Regardez tout ce qu'on a eu. Et encore lui, il a eu d'autres trucs de son côté. Hein. Chacun a eu plein de trucs. On a vraiment bien avancé. C'est super. Donc, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. À me dire ce que vous en pensez de la vidéo. T'as un mot à dire, Luffy, avant la fin de la vidéo? Ouais, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, la première vidéo. Je vous souhaite de la regarder si vous voyez celle-là quelque part. Regardez la première, ça vous dira la suite. Et vraiment, merci pour les retours positifs et pour presque les 40 vues. Donc voilà. Et je tiens à remercier Anthelme qui m'a dit bien joué. Ok, donc là tous les remerciements et tout est fait. Donc on peut se dire... Donc, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Minoc et Luffy. A plus. Salut les gars, ciao.